Coucou tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur The Sinking City pour poursuivre notre aventure. On est toujours avec Charles Reed, forcément ça devrait pas changer. On a... Attendez, je vais m'éloigner du petit rat. On a du coup trouvé qui était le meurtrier d'Albert Throckmorton, on a résolu cette enquête et maintenant il faut qu'on aille au QG. Alors peut-être que la police, voilà, maintenant que l'enquête est bouclée, la police est partie. Ça y est, qu'est-ce qui lui arrive encore? Ok, il fait encore un rêve. Bim, prends ça dans la face. Oh! Oh! Ils se font aspirer par cette créature. Ok. Donc perdu en mer, on replace le contexte. On l'a vu à la fin de l'épisode précédent. Robert Throckmorton a financé l'expédition qui devait découvrir la source de la folie qui sévit à Oakmont. Voilà, il va falloir qu'on retrouve un petit peu les autres participants à cette expédition et quand on aura fini, on ira faire le rapport à M. Throckmorton au sud d'Holgrove. Costume obtenu, tenue du jour, ok. Donc là on est dans notre chambre, à l'hôtel. Donc ça, c'est la photo qu'on a vue déjà dans le bateau. L'équipage du Cyclops, Semper Fortis mes frères. Ok, le Cyclope, très bien. Mon journal, première partie. J'ignore ce qui a fait couler l'USS Cyclops. Je me souviens juste des cris et des bruits de métal, de l'eau envahissant le pont et de mon mal de tête. Le pire de toute ma vie. J'ai manqué de me noyer au moment où j'ai repris connaissance. C'est une partie du bateau brisé qui m'a permis de survivre et de revenir à terre sain et sauf sur une petite île. Ils m'ont retrouvé plus tard, affamé, à moitié fou, et bredouillant je ne sais quoi au sujet d'anciennes ruines et de leurs habitants. La version officielle affirme que rien de ce que j'ai vu n'existe vraiment. Mais mes souvenirs sont réels, mes pouvoirs étranges que j'ai obtenus après le naufrage le prouvent. J'ai trouvé quelque chose d'horrible sur cette île, quelque chose d'ancien, de malfaisant et de rampant. Et cette chose continue de me hanter. Oh! Eh bien. Ah, ça c'est sa plaque militaire. Plus jamais, qu'ils disent. Il y a une boîte, cartouche ressort. Oh bien, 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 bien. Et ici, antipsychotique et trousse de premiers soins. Ok. Par contre, je me suis reposé, mais ma vie est pas remontée. C'est bon à noter. Ah, du laudanum. Alors ça. J'en prends et j'en prends. Mais les visions reviennent toujours. Ceinture d'opium. Ça, c'est vraiment pour soulager la conscience. Ça a un effet un peu. Pas psychotique, mais c'est censé endormir. Garde-robe. Tenue du jour. Oh, excellent. Manteau chaud. Donc on a le côté Indiana Jones, explorateur. Manteau chaud. Gangster. Thunderbird. Homme de science. Pêcheur. Agent de police. Médecin de peste. Maître détective. Ah, excellent, Sherlock Holmes. Sectaire, oh mon dieu que c'est moche. Et garde-robe, Lejkinyanka. Sympa comme ça, j'aime beaucoup. Ok. Raid sur les natifs d'Innsmouth. Les attaques contre les immigrants d'Innsmouth se multiplient. Les raids continuent et de plus en plus de natifs d'Innsmouth sont impliqués dans diverses affaires d'agression et autres abus. Les dépouilles de familles entières ont même été retrouvées dans le foyer de certains d'entre eux. La police mène l'enquête. Plusieurs entreprises ont été saisies et leurs propriétaires écroués. Nous aurions dû purger cette ville de ses vermines il y a longtemps de cela, a déclaré Robert Throckmorton, chef de la grande famille du même nom. N'ai qu'un seul regret, qu'on ne le fasse que maintenant. Si nous avions agi plus tôt, mon fils serait encore en vie. Ouais. Ok, ça a déclenché des raids. Oh, un petit mot. Vanderberg.
Monsieur Reed, il semblerait que vous soyez surmené lors de votre enquête pour Monsieur Throgmorton. Pardonnez-moi cette impunité, mais je vous ai amené au Devil's Reef Hotel pendant que vous étiez inconscient. Prenez mieux soin de vous à l'avenir, je vous prie. Je ne serai pas toujours là pour vous sauver. Jones. Ok. Merci. Là, les toilettes. Et franchement, super crade, ça donne pas envie de se perdre là. Ok. Je me sens un peu plus chez moi avec ça. Boston me manque déjà. Et ils ont installé une plaque pour moi. Ok. Ressort, cartouche, morceau de métal. D'ailleurs, inventaire, est-ce qu'on peut refaire quelques cartouches? Voilà, ce sera pas mal. Et on va économiser un petit peu. Voilà, on aura nos 6 balles comme ça. Très bien. Donc là, on vient d'ici. On peut explorer. Les cauchemars, j'ai barricadé les fenêtres et fermé la porte à clé. Ils ont beau se surnommer les rois jaunes, il ne reste que des hommes. Ils ne peuvent plus entrer maintenant. Il n'y a que moi. Moi et ses cauchemars. Encore un petit peu et je me débarrasserai d'eux aussi. Ok. Regardez, il y a encore un... un petit sigle là, une rune, je sais pas comment le dire. Deux cartouches de 38. Cool. Regardez les runes ici. Un truc d'alchimiste. La porte refuse. Monsieur Archer, attention au moins. Je vous ai vu traîner des choses dans votre chambre. Faites attention au sol, je vous ferai payer chaque rayure à la fin de votre bail, le propriétaire. La okay. Porte refuse de bouger. Il s'est fermé, il s'est fermé. Continuez d'explorer. Fermé. C'est ouvert. Un appartement similaire au mien, peut-être. Ah. Poudre à canon, très bien. Trop de coïncidences. Bon, le phare est HS. Plusieurs navires se sont perdus en mer et certains d'entre eux décorent désormais les plages du rivage. Pourquoi pas? Mais voilà maintenant qu'un type plutôt entreprenant engage des réparateurs sur le port pour récupérer les bateaux. Il se fait un petit pactole en les revendant. Ça peut pas être une coïncidence, je dois mener l'enquête. Si seulement ce n'était pas un enfer total de se déplacer dans cette ville. Ok, donc il y a un mec déjà. Qui enquête aussi. Connaissance, Red, tu es natif d'Innsmouth. Ok. Document, trop de coïncidences, attention au bruit, les cauchemars, ok, c'est ce qu'on... On va aller voir au fond. Les portes vertes apparemment sont bloquées. Les portes grises peuvent être ouvertes. C'est ça. Il n'y a pas grand chose ici. Lui, il fait peur. Il n'y a pas de rune au plafond. Et on peut pas aller plus haut. Peut-être continuer par là. Enfin, vous êtes réveillé. Oh. Permettez-moi de vous dire, aussi. Monsieur, que si vous voulez rester ici, il va falloir arrêter tout ce vacarme. Le vacarme? Du vacarme? De quel vacarme parlez-vous? Mes invités se doivent d'être respectables. Les gémissements, les chants, tout ça... ça doit cesser, compris? J'ai rien fait. Vous avez une preuve que c'était moi? Ça aurait pu être un de mes voisins, j'ai dormi comme une masse, je n'ai rien entendu. Vous êtes bien un étranger pour dire ça. Vos voisins sont des personnes respectables et ne feraient jamais une chose pareille. N'allez pas croire que votre bienfaiteur à capuche jaune vous protégera de tout. Vous n'êtes pas particulièrement Anderberg. Vous autres. N'est-ce pas eux qui font tourner votre hôtel? Tous les étrangers venus après l'inondation sont cinglés. Que voulez-vous dire? Vous n'imaginez même pas les notes
des bouquins que je trouve après leur départ. Ah, ça peut être sympa, ça. Ils sont bons qu'à allumer le poêle. Ah bah non, faut pas détruire. Jeter un coup d'œil. Ah bah voilà. Je le savais. Je vous dis que personne de saint esprit ne serait intéressé, et vous, vous voulez jeter un coup d'œil. Apparemment, il pleut à l'intérieur. Allez-y, allez-y. Prenez ce que vous voulez. Oh! Alors, perdu en mer, donc ça, c'est l'affaire principale et les affaires annexes. Les lettres d'Ockmond. Alors, ensemble de notes, le propriétaire m'a permis de consulter les notes. Retrouvées dans la chambre d'étrangers qui ont disparu, j'ai retrouvé parmi elles plusieurs pages du journal d'un homme décrivant sa vie à Ockmond. Il souffrait de visions et avait marqué les endroits où elles s'étaient produites. Essayait-il de les éviter? C'est ça, du coup? Ok. Berceuse urbaine... Note d'un natif d'Innsmouth. Ok. Horrible fœtus. Derrière vous. Je regarderai peut-être ça un petit peu en off. Ça va être des quêtes secondaires, en fait, des enquêtes plutôt secondaires. On verra, on en fera quelques-unes quand même ensemble. On ne les fait pas toutes. Un miroir, enfant seul. Croisement de Saint-Elmo Lane et Kingsport Street. Ok. Ok. Ça peut être intéressant d'en faire quelques-unes. Oh mon dieu, j'ai pas vu. Regardez, c'est quoi, c'est un crabe ou une araignée géante? Oh, ça me met mal à l'aise. Oh, j'en ai des frissons. Oh, c'est marrant le phonographe là avec le gros coquillage. On a des choses en plus ici. Walter, que Kay te vienne en aide si tu me ressors cette histoire de loyer à prix abordable. Si tu veux louer des asiles de nuit infestés de bestioles, ça m'est égal. Mais là, tu commences à ronger mes bénéfices. Ne fais pas une telle erreur. Je sais que tu es au marché, au poisson. Je connais des types dangereux là-bas. Des types que je peux te mettre sur le dos. Je t'aurais prévenu. Pic. Ok. On va faire le tour. Il y a peut-être d'autres choses à... Ah bah regardez, là. Au sujet des symboles de vagabonds. Darren, je pense que je commence enfin à comprendre. Les gens du coin utilisent des symboles pour marquer les endroits spéciaux. Ah, bah voilà, c'est peut-être les petites runes que j'ai vues, là, les hashtags, les trucs comme ça. Bon, ça, tu le savais déjà. Mais ce que j'ai appris, c'est que cette tradition date bien avant l'inondation. Oh, ok. Un peu comme les symboles dont les vagabonds se servent aux quatre coins des États-Unis. D'accord. J'ai réussi à déchiffrer, ok, le H, bah voilà. Sur plusieurs portes, propriété est déserte. Les symboles en forme de croisillon, ça va marquer les coffres et les... Ok, donc c'est bien ça. Et les caisses, donc on peut trouver des objets utiles. V, lieu dangereux et barricadé. Bon à savoir. Le symbole en spirale, je sais pas encore. Une croix avec 3K. Tiens-toi prêt à appuyer sur la détente. Ok. Intéressant. Rien ici. Oh, il y a un coffre. Des cartouches, ressorts et poudre à canon. Super. Ah, là on a quelque chose. À mon cher neveu. Mon cher Victor, ah, ça doit être le Vic qui parlait à Walter. Comment te traite Ockmond, dis-moi. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'oublie pas que les Blackwood sont là pour t'aider. Ok, donc Vic, c'est un de ceux d'Innsmouth. Je me suis assuré. La question, j'ignore hélas où Robert est allé. Je sais seulement qu'il n'a pas séjourné à Innsmouth. Peut-être a-t-il survécu cette maudite rafle. Oh. Ça pourrait être une cause d'inimitié entre eux. Parce que je pense que Robert, c'est Throgmorton. Prends bien soin de l'hôtel, je te prie. Ah bah Victor, c'est celui à qui on a parlé. Bon nombre des nôtres ont exprimé leur intérêt pour cette propriété, mais tu restes mon neveu favori. Tante Portia. Ok. Donc lui, c'est le neveu Victor. Je vous surveille, étranger. Ouais, tu surveilles pas grand-chose. T'as rien de plus. Ok. Bon, bah écoutez, on va sortir. Il y a une porte, ça veut dire que c'est...
libre. Nouveau repère de voyage rapide. Ah oui, j'ai vu ça dans les astuces. Si on trouve des cabines téléphoniques comme ça, bah du coup on a accès au voyage rapide. C'est plutôt cool. C'est ces petites, du coup, ces petites étoiles là. Et du coup, si on en a d'autres, bah voilà, on peut se téléporter. Ça évite de se taper tout le trajet d'un endroit à un autre. Alors, ça se fait bien dans les jeux, c'est plutôt pratique. Il va falloir qu'on revienne là, donc on va partir sur notre gauche. Il n'y a pas des runes dans le coin là. On peut pas entrer à certains endroits. Un monde ouvert, on aurait pu pouvoir explorer. Là, ok. Ouais, c'est bien inondé quand même. En tout cas, c'est joli. C'est flippant, mais c'est joli. C'est super bien fait. US Mail. Alors on peut pas entrer de partout. Les voitures qui doivent plus servir à grand chose vu que la moitié de la ville est inondée. Ils sont en train de se mettre dessus. Je vais les laisser. Ok, il y a des gens flippants. C'est par là, non? C'est par où? J'ai pas mis un repère, moi. Confessez vos péchés. Ouais, c'est par là. Ok. Les voitures à l'abandon, mais il y a quand même du monde dans les rues. Salut mon chou. Ça te tente un peu de plaisir à deux? Alors pas maintenant, j'ai un peu autre chose à faire, mais c'est gentil de proposer. Quoi ce bâton? Me parle pas surtout. Ok, ils me regardent bizarre les gens quand même. Pas vu de runes. Regarde s'il y a des endroits où on peut entrer. Ok. Bah là par exemple. Munitions, pièges. Oh cool, alcool ressort. Donc. On a bien fait de venir. C'était une autre astuce hein, d'explorer. Méfie des fois qu'il y ait des petits mots. Apparemment pas. Ok. Donc cartouche, très bien, on arrive de l'autre côté, là on peut monter. Ah oui, pas mal quand même. Et quelque chose là-bas. De premiers soins, super.
Ok. C'est quoi ce truc? Ok, je vais me barrer de là. Par où on part, par où on sort, mon dieu. Wouah. Il a disparu ou pas? Ok. Je vais refaire des balles. Hein. On va faire 6. Je vais en faire une, j'ai plus de poudre à canon. Ok. Voilà. Je vais recharger lui aussi au passage. Très bien. C'est quoi votre problème? Pas qu'on perde trop de temps sur les explorations. Alors, Hubert Avenue, Asher Road. Est-ce que c'est ici? Le truc de l'expédition ici, le scaphandre. Ça doit être là. On y est. Ok, il y a une porte qui a été défoncée ici. Je pense que je peux me passer de la clé. Ouais, c'est ça. Là, il y a un journal. Les dangers de la plongée. Les plongeurs victimes d'un accident de décompression peuvent souffrir de nombreux symptômes, douleurs, troubles du mouvement, nausées, vomissements, etc. Les symptômes les plus graves se présentent 10 minutes après la remontée, c'est vrai, en plus, paralysie en... Ok, la paralysie en... Ok, affecter différentes parties du corps. Ouais. Un tas de papiers trempés. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Et il y a quelque chose là. Comme un petit rat. Je vais continuer l'exploration. Ça, ça a complètement été renversé. Quelqu'un a défoncé. Irréparable. Ok. Poudre à canon. Il y a un truc par là. Je vais aller voir en haut, je reviendrai voir après. Cartouche de 38, très bien. Jamais vu un coquillage pareil. Ouais, c'est un peu space quand même. Hein. Comment se protéger? Selon nos recherches, les lieux associés aux activités paranormales exercent une influence notable et jusqu'ici inconnue sur la race humaine. Nous avons préparé une liste de solutions, comprenant notamment certaines pratiques médicales ainsi qu'une réserve de sédatifs, et ce, afin de prévenir le cas de folie parmi les membres de l'expédition. Je recommande vivement de se débarrasser des charmes, amulettes et autres symboles religieux n'ayant aucun usage particulier et de préférer l'application de ces méthodes jugées valides par la science, H. Dauf. Ok. Donc le professeur Dauf. Y a rien de plus là. On va faire le tour. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, des anguilles! Ok. De l'alcool. Ok. Ashdov, anthropologue. Le département d'anthropologie de l'université d'Oakmont accueille parmi ses rangs une nouvelle recrue. La professeure Harriet Dove. Des découvertes majeures sur les origines de ces tribus inuites ont servi à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui,
La professeure se prépare à embarquer dans une nouvelle expédition visant à éclairer les sources de l'inondation et par là même nous aider à comprendre ce que l'avenir nous réserve. Ok. Ça, on avait à peu près compris jusqu'à maintenant. C'est quoi? C'est encore une pierre, un coquillage? Ces échantillons brillent d'une lueur étrange. Je me demande d'où ils proviennent. Ah, bien verdâtre comme ça. Et il y a des lettres. Rapport de pêcheurs. Deux pêcheurs locaux. L. Sullivan et B. Morgan. Ah, bah c'est peut-être des gens qu'on recherche. On signalait plusieurs sites marins en ébullition, ainsi que des reflux pestilentiels émanant des mers. Quand on voit la couleur verte, je veux bien le croire. Échantillon d'une étrange substance flottant dans l'océan acheté auprès de J. Harway. Il prétend l'avoir trouvé au milieu d'un banc de poissons morts et déformés. Les poissons ont été envoyés pour examen. Plusieurs habitants parlent aussi d'un rocher sorti des profondeurs qui donne au brouillard un éclat multicolore. L'incident a engendré des accès de nausées chez les témoins. Ok. L.P. Stern a également subi de graves brûlures après avoir taillé une partie du rocher, échantillon pris pour analyse. Alors, Harvey, Sullivan, Morgan, Stern. Ok. On a déjà plusieurs... Voilà. Hein. Bon, rien de plus. On va aller voir un petit peu l'étrangeté qui se subit par ici. Pas mal de choses. Ah. On a des oiseaux. Ah oui, ok, il arrive de là-bas. Des papiers. Là. Là. Oh. Ok, on va laisser remonter la jauge de folie. Oh, il y avait une porte cachée. Enfin, une porte... Une illusion, très certainement. Enfin, comment ils ont fait ça? Mais bon, on est à fond dans le mystique, alors je ne vais pas me poser trop de questions. Ok. Y a quelqu'un là? Non? J'entends du bruit, mais je suis pas sûr. Une lumière allumée. Les objets figurant sur cette liste doivent être livrés Grimhaven Bay ce vendredi au plus tard. Scaphandre, bouteille, ok, cette caisse. Hein. Responsable de livre. Manifeste de cargaison brûlé. Ok, on essaye de brûler des indices. Oh! Il avait une arme. Il avait une arme. Non? Oh mon dieu, j'étais persuadé qu'il avait une arme. J'en mets une en pleine tête. Je doute que ce casque soit récupérable. Avec la vitre cassée comme ça, c'est sûr. Cartouche et ressort, je suis désolé. J'étais persuadé qu'il avait une arme qui me visait. Je regarderai ça au moment du montage, mais j'étais persuadé qu'il avait une arme pointée sur moi. Ah! On a quelque chose. Quelque chose en haut. Pas fini de faire le tour ici. Apparemment si, on a pu en apprendre. Qu'est-ce qu'il foutait là? Je pense qu'on va le découvrir. Ah bah voilà. Alors la porte ici, là-bas. Commencer par ici. On n'a pas le temps de crocheter la serrure. Reculez. Ok. Donc combien? 1, 2, 3. Il y a deux hommes de main. Il y a un homme qui a l'air un peu plus... Ouais. Ok. Ok.
Prenez les papiers, défoncez le reste. Ouais, donc il y a un chef. Et deux hommes de main. Eux, c'est quoi? C'est en bas. Là. Donc c'est eux qui ont dû mettre le... Ah bah voilà, incantation, très bien. Ils ont descendu les caisses pour tout brûler et c'est ce qu'on a trouvé le manifeste là. Brûlez-moi tout ça. N'oubliez pas les petites annonces. Il est temps de démêler tout ça. Alors eux, ils viennent d'Innsmouth, mais alors lui, je ne sais pas. Alors, je pense qu'on a fait le bon ordre. On va en mettre un ici. Deux là. On a pas le temps de crocheter la série. Reculez. Prenez les papiers. Défoncez le reste. Voilà. Aïe, fata. Quatre ici. Brûlez-moi tout ça. N'oubliez pas les... On a tué l'un des deux hommes de main, du coup. Plusieurs hommes se sont introduits dans le QG d'expédition. Ils ont tout défoncé ou brûlé. Même les journaux. Ok. Celui que j'ai tué, voilà, c'est un des deux. Très bien. Connaissance, on a encore des documents en plus. J'ai des symboles vagabonds, c'est bon. Alors, carnet de notes, perdu en mer. Manifeste de cargaison brûlée, ok. Le QG pillé. Plusieurs hommes atteints du syndrome d'Innsmouth ont pénétré, donc tête de poisson, dans le QG de l'expédition, ont tout détruit sur leur passage. Ils ont brûlé la majorité des archives de l'expédition. Études scientifiques, interviews avec les gens de la région, manifestes, etc. Manifeste du cargo, documents brûlés. Les documents de l'expédition sont perdus, mais je dois toujours trouver une piste à suivre. Les membres de l'expédition ont quitté la ville à bord d'un cargo en partance de Grimhaven Bay. Peut-être qu'il y avait des annonces récentes pour ce navire dans Oakmont Chronicle, ok. Va falloir qu'on aille au journal pour mener l'enquête. Ok. On va sortir là. En même temps, en voyant la porte comme ça défoncée, on va se douter que c'était pas net. C'est déjà nuit, il faisait jour tout à l'heure. Le Chronicle. C'est ici. On va mettre ça. Ok. Et puis on ira bah, du coup dans le prochain épisode. On va s'arrêter ici pour le moment. On a découvert le QG. On a mené l'enquête au QG. Plutôt pas mal. Plutôt intéressant. C'est plein de mystères. On va voir un petit peu ce que nous réserve la suite de cette aventure. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Moi je vous retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très bonne continuation à toutes et à tous. A très vite, bye bye.